Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo News. Aujourd'hui, à quelques jours à peine de la sortie de Halo Infinite, je vous propose de revenir sur le multijoueur. Comme vous savez, nous avons accès au multijoueur de Halo Infinite depuis le 15 novembre, jour marquant les 20 ans de la Xbox et de Halo. Présenté comme une bêta, on nous avait annoncé lors de cette ouverture que nous avions à disposition l'intégralité du multijoueur de départ de Halo Infinite. Beaucoup doutaient que ce soit le cas, moi le premier, les playlists étant notamment très peu nombreuses. Pour autant, l'information est tombée, et il semblerait que le multijoueur à compter du 8 décembre ne soit bel et bien pas différent de celui que nous avons là. Inutile alors de chercher à compter du 8 décembre les arbres emblématiques qui pourraient manquer, tout comme les nouvelles maps ou même de nouvelles playlists. Malgré cela, on nous assure que les développeurs sont en train de travailler dur pour ajouter le SWAT, le chacun pour soi et le Fiesta de façon permanente à notre jeu. Une information assez déroutante puisque la plupart de ces modes sont déjà disponibles en partie personnalisées. Nous devrions avoir ces ajouts de playlist avant la fin d'année 2021. Nous n'avons encore aucune information sur l'ajout de modes tels que l'infection. Mais il semblerait qu'une playlist non classée dédiée au mode assassin est également à l'étude, mais n'est pas attendue avant l'année prochaine. Il est à noter que la forge devrait arriver, quant à elle, avec la saison 3 du pass de combat vers août 2022. Pour rappel, le 8 décembre sortira officiellement Halo Infinite, tout du moins sa campagne, attendue par de nombreux joueurs. Pour savoir ce qu'elle contient, je vous invite à voir notre dossier spécial garanti no spoil. Vous pourrez jouer à Halo Infinite sur vos Xbox One, vos Xbox Series et vos PC avec Steam et le Microsoft Store. Le multijoueur de Halo Infinite est free to play et sa campagne sera accessible day one depuis le Game Pass. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles news sur Halo Infinite. Salut à tous et vive Halo !